الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيصل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors nous arrivons au 10e hadith de Arba'oun al-Nawawiyya. Et nous les hadiths là, ensuite nous expliquons. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه لجيه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيه إن الله تعالى طيب الله certainement لطيب لبون لا يقبل إلا طيبا il n'a pas accepté excepté qui chose qui bon. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Et certainement Allah Ta'ala l'ordonne ban croyant, même l'autre qui lui fin donné à ban messager. فقال يا الله فين جي يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. Allah سبحانه وتعالى فين جي أو ban messager. كلوا من الطيبات. Mange des bi ban bon qui tseuse. وعملوا صالحا. Et faire ban bon action. Surah Mu'minun, verset 51 plutôt. Wa qala ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y continue de dire, Allah fin dire, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Mange depuis ban o ban kenaiman, mange depuis ban tayyibat, ban bon qui te seuse, qui ne fin d'un zot comme risque. Surah Baqara, verset 172. Prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Ensuite, le prophète fit mentionner une personne qui lui prolonge ce voyage. Ashraf, Aghbar, ce cheveu chiffonné et n'a la poussière au lit. Yamuddu yadayhi ila sama. Il peut étendre ce délamé vers le ciel. Ya Rab, wa mat'amuhu haram. Il dit ya Rab, alors qu'il se nourriture, il est haram. ومشربه حرام سلا بواسون لحرام وملبسه حرام سلاس كنا لولي لحرام وغذي بالحرام سلا شيء في النوري avec quelque chose qui حرام فأنا يستجاب لذلك comment s'ajmun la ce dua pour être accepté. Hadith rapporté par Imam Muslim. Donc nous guettons ce hadith, un hadith qui est très important. Nous trouvons qu'un hadith qui est musulman les bisèmes et ça de la vie de tous les jours, les concernant quelque chose qu'il peut manger. Alors, nous trouvons, premièrement, nous avons un narrateur de ce hadith-là, Abu Huraira, nous fait une finie d'une bande d'états biographiques d'un hadith précédent, le 9e hadith, nous fait une cause l'eau, Abu Huraira, quelques bandes détails l'eau sur la vie, qui sont là qu'il était. Mais en bref, c'est qui Abu Huraira, radiallahu an sahabi, l'ici plus grand narrateur du hadith. L'ibi rapporté de dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire Inna Allah ta'ala toyib. Certainement Allah li bon. Allah subhanahu wa ta'ala li bon. La yakbalu illa toyiba. Li pas accepté, excepté quelque chose qui est bon. Ici, Ibn Rajab, rahimahullah, li dit At-toyib huna ma'nahu at-tahir. Le mot toyib, Allah li toyib, veut dire Allah li tahir, li pur. Li dit أن الله مقدس منزه عن النقائص والغيوب كلها. لدي كي الله تعالى لي مقدس لي pure لي بين aucun غيوب aucun défaut. لي dépourvu de ban défaut de ban manquement. Donc sa mot طيب peut montrer Allah تعالى sa perfection. Allah لي بين aucun défaut aucun manquement. Nous n'en suivons d'Allah qui est un petit peu pareil, As-Salam. As-Salam, c'est celui qui salim min al-uyub. C'est lui qui est dépourvu de ban manquement. Donc, Allah Ta'ala, il est bon et il n'est pas accepté, excepté quelque chose qui est toyib. Qui veut dire qu'il n'est pas accepté, excepté quelque chose qui est toyib, qui est bon? Et Ibn Rajab, toujours, il dit comme ça, La yakbalu min al-sadaqat illa ma kana toyiban halalan. Allah, il n'a pas accepté sadaqa, excepté quelque chose qui est toyib dans lui-même et il est halal. Allah n'est pas accepté ce d'accord qu'un djemoun l'est fait, excepté qu'il y a quelque chose qu'il peut donner là, l'est bon et l'est halal. Un djemoun mange une gâte. Mange une gâte, il peut prendre, il peut donner une misère. Alors, il mange une gâte, mais pas bon, il n'est pas toi, Allah ne peut pas accepter. Halal,
elle manger, les capables bon, dans le sens qui se goût bon, une bien préparée, mais seulement l'argent avec qui il a acheté ça, il a acquéri sa nourriture là, il a acquéri ça avec quelque chose qui est haram. Alors, ça dit, on a ce travail haram, il peut prendre l'argent haram, il peut faire sadaqa. Là, il n'a pas accepté ce qu'a été sadaqa là. Une autre explication qui Ibn Rajab lui mentionné est vrai, il inclut là-dedans. Il dit, une autre façon de comprendre, il dit, les plis générales qui sont ce qu'il nous fait mentionner, il dit, Allah n'a pas accepté, en plus de ça, il n'a pas accepté, excepté quelque chose qui, quand il dit, il n'a rien là-dedans. Une autre explication qui rentre là-dedans, c'est qu'il, quand on peut donner une quelque chose, il est capable, bon, quelque chose, il est capable d'acquérir avec l'argent halal, l'argent licite, mais seulement quand on peut donner, dit mon âme, il peut donner avec l'intention pour gagner l'avantage. Alors ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté. Il peut donner avec l'intention pour les gagner vote. Il peut donner avec l'intention pour qu'il dit mon Dieu est généreux. Alors ça, ça l'intention derrière donner là, il n'est pas correct, il n'est pas bon. Alors ça, action là, il n'est plus toyib. Quand il y a un riyal là-dedans, action de Allah, il n'est plus toyib, Allah n'a pas accepté. Un petit remarque, nous trouvons beaucoup d'une organisation qui peut faire ça de quoi, peut-être peut partager, ben vive. Il y a beaucoup d'une frère qui peut travailler au terrain, je peux partager, ben vive, avec ben du monde de difficulté. Nous trouvons dans ben du monde, ben commun, un sabane là peut faire ça, peut montrer les yeux du monde, alors qu'à donner, besoin caché, pas capable de montrer. Nous pas supposer ziz du monde, nous pas supposer ziz du monde. Nous gagnons droit à faire un acte, un sadaqa ouvertement dans un contexte spécifique. Allah Ta'ala dans le Coran dit "In tubdu sadaqa fa ni'imahi wa in tukhfuha fa huwa khayrun lakum." Si je peux faire sadaqa en ouvert, ouvertement, c'est une bonne chose. Mais je peux cacher li wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Je te cache de sadaqa, je donne ça à ban pauvre, ça les meilleur pour eux. Donc cachette meilleur. Et gagne droit à faire ouvertement. Et surtout là, quand nous avons une organisation qui peut travailler, je peux mettre une vidéo, je peux montrer, je peux faire cette action là, c'est pour encourager les gens à aider. Donc nous ne sommes pas supposés dire aux gens de l'intention. Au contraire, quand nous avons dans une affaire, dans une narration, nous pouvons trouver qu'il y a un sahaba, nous avons un nifar pour eux-mêmes. Mais pour nos frères, nous redisquisons, si nous trouvons un frère qui fait un sadaqa ouvertement, ça amène aucune mauvaise pensée, Loli. Et surtout, ça va l'organisation qui peut travailler dans le moment qui nous persiste à nous la case, nous persiste devant nous l'écran, devant nous le laptop, nous peut faire vidéo. Nous peut dire, qui peut partager sadaqa, peut partager nourriture, nous peut dire non, on peut faire ça pour l'hygiène du monde. Alors, ça, il n'y a pas une bonne attitude. Nous besoin, et une bonne pensée pour nos frères. Et d'ailleurs, moi, je trouve bien une bonne chose qui, qu'on peut faire ça ouvertement avec l'intention qui dit, de nous encore plus qu'à partager plus pour faire travailler là plus bien. Et c'est lui qui a la capacité, lui a envie de joindre sa bande du monde, lui joindre pour donner un coup de main. Donc, il ne fallait pas nous dire du monde. Tout le temps, il y a un sahaba qui a la crainte de nifa pour eux-mêmes. Hein? Il ne fallait pas qu'il m'a assisé. Ça n'a pas fait d'avoir, il peut avoir un rôle, ça n'a pas. Ça n'a pas donné ça d'accord, ça n'a pas envie de promouvoir cette organisation, il n'a pas envie de faire une famous. Alors, ça n'a pas envie de faire ça. Alors, moi, si c'est moi tout seul qui est sincère, la clé de Jannet là dans mon armée là. Alors, moi qui vous dis que ça n'a pas donné la clé de Jannet. Alors, ça, c'est une mauvaise attitude. Tous les temps, quand nous trouvons une petite soupe émane des pieds de frères musulmans, nous avons une bonne pensée, nous avons une bonne pensée pour nos prochains. Alors, il est bien vilain ça quand nous trouvons un petit monde, un commentaire. Quand nous trouvons une organisation, une mettre une vidéo, pour montrer le travail que je peux faire, après, je vais faire un commentaire. Au contraire, nous avons besoin d'un tracas qui tient un devoir pour moi ici, moi sortir, moi aller, moi faire ce travail-là. Moi, je vais réussir à faire. C'est ça le sentiment que nous utilisons. Nous sommes contents, nous trouvons nos frères pour faire ça, et nous faisons droit qu'Allah pas donne, Allah protège les qui est contre l'IA aussi, ça aussi nous fait droit. Donc, tout le temps, nous fait ittiham de nous-mêmes, nous acquise nous-mêmes. Nous avons une tendance pour être les doigts aux autres et nous correctons. Alors, c'est une mauvaise attitude. Donc, Allah n'a pas accepté, excepté qu'il soit ce qui est toyib. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Avant ça, nous avons une petite chose qui nous mentionnait, c'est que, par exemple, un djimoun, il a l'argent l'intérêt.
qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Alors, parce qu'il y a une relation avec quelque chose qui est bon, quand on peut donner, on peut prendre ça, quelque chose de l'intérêt là, on peut donner l'autre qui arrive, ce qui gagne droit, pas gagne droit, qui l'islam dit l'eau là. Au fait, ben, ça avance, on diverge l'eau, ça loge dans l'intérêt là. Premièrement, je te dis comme ça, qui, tant qu'un démon est capable, n'a pas mettre sur casse l'eau en compte, il gagne l'intérêt. C'est un premier quelque chose, un premier step. Pas mettre au con, au casse de la porte, ou gagner d'un compte qui fait ou gagner l'intérêt. Si pas pas capable, même, et bien, service à ban compte là, quand on a l'intérêt qui rentre. Les là, ça a l'intérêt là, et a dès l'opinion qui va nous avoir fait donner, et a dire, ça a l'intérêt là, pas pour ça. Ou tu mets 10 000 roupies, janvier 2019, janvier 2020, il vient 11 000, il gagne 1000 roupies l'intérêt là, dans 10%. Combien tu mettais? 10 000. Combien il vient? 11 000. Ça, 11e 000 là, pas pour ça. Ou tu mets combien? 10 000. Au capital, 10 000. Quand arrive un an après, au capital, il reste 10 000. 100 000 roupies en plus là, pas pour vous. Donc, il y a un gagnant de tracas. Ou les slits à la banque. Et ça va, c'est avant qu'il ait adopté ça l'opinion là. Je dis, au pénal pour gagner un tracas, qui je peux faire avec sa casse là? Si pas ce poussier est venu d'avoir un travail missionnaire, c'est pas qui je peux faire. Je dis, ok, Allah, t'as là, il peut effacer l'effet, basant l'ayat Quran. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah, il peut effacer l'intérêt. Et il peut multiplier sadaqat. Alors, Allah, il peut enlever l'effet de l'intérêt. Donc, il n'y a pas dans l'effet, c'est à l'argent que je peux investir dans Bartouille. Ça, c'est une opinion. Et une autre opinion qui va nous avoir dit, non, pas laisser dans la banque. Tiens-le et débarrasse-le. Donc, il veut dire qu'il n'y a pas pour une récompense avec sa casse-là. Dans le hadith, Allah n'a pas accepté quelque chose qui est bon, toi, Yib. Alors, ça, il a l'intérêt pour, je dis, ça va nous avoir, ou pas gagner, bénéficier. Ou donner les dîmes pour même musulmans aussi vous donner. Alors ça c'est l'opinion qui finit prôner pour ban deuxième l'opinion qui ban savant fin mentionner. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Certainement Allah fin ordonne ban croyant même l'autre qui les fin donne ban messager. Le prophète finit le verset ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibat min at-tayyibat. Au ban messager, mange depuis ban bon kitseuse, ou amalou saliha, et fait ban bon action. Donc, vous trouvez, mange ban bon kitseuse, et fait ban bon action. Ban action qui nous fait, les bases de ce qui nous mangeait. Sur l'acceptation. Donc, vous trouvez après là. Wa qala ta'ala, vous pouvez continuer de lire, ya ayyuha alladhina amanu, kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Au ban kenaïman, mange depuis ban bon kitseuse qui nous fait une zut. Dans le premier verset là, dans le soulam mouminoun, Allah adresse ban messager. Dans le deuxième verset, il adresse ban croyant. Veut dire, Allah donne même l'autre à ban messager et à ban croyant. Tous les liens gagnent l'autre pour manger ban, quelque chose qui est toyibad, ban quelque chose qui est bon. Qu'Allah va mettre le salatier là. N'a pas mangé quelque chose qui est haram, n'a pas acquérir ban quelque chose qui est haram, ban quelque chose par moyen de haram. Alors, ils vont nous trouver qu'il est aujourd'hui, du moins, il mange tout cas quelque chose, maladie n'apparaît. Alors, voilà, pour ça, nous trouvons l'importance de manger une bonne quitteuse. Moi, quand on dit bonne quitteuse, bon dans son nature, même ni bon, et bon de façon qu'il n'acquérit rien. Une quitteuse est capable de bon dans lui-même, mais il n'acquérit rien de façon illicite, une coquin, une triangle, une tricher de commerce. Alors, ça, c'est une façon qui fait une quitteuse, une haram. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple. L'indonène principe général, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur pédagogie. Par exemple, le hadith, il n'a mal amal ou bin niyat. Certainement, ben, action, je dépend de l'intention. Le prophète, il donne sa parole là, après, il donne l'exemple. Ici aussi, pareil. Allah, il n'a pas accepté quelque chose qui est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer un exemple pour cela. Thumma dhakar al-rajul, yutilu safar. Le prophète, ensuite, il mentionne les, une personne qui peut prolonger ce voyage. Ash'ath akhbar. Ce cheveu il est chiffonné et se laisse dans la poussière. Yamuddu yadayhi ila sama, li étendre cela main vers le ciel. Et il dit ya rab ya rab. Et il dit ya rab, il fait doigt. Il dit ya rab. Le prophète dit wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik. Mat'amuhu haram, se manger haram, mashrabuhu haram. Se nourriture les haram, la boisson les haram. Malbasuhu haram, se linge les haram, l'oli. Roudhiya bil haram, se l'écho, fin te lâcher, fin nourrir avec quelque chose qui est haram. Fa anna yustajabu li dhalik. Comment est-ce qu'Allah pourrait répondre sur l'appel?
Comment Allah Ta'ala pour répondre sur l'appel? Veillez ça, dit mon là, ce qu'il y consomme, ce qu'il y met le lit, haram. Ça peut empêcher ce doit accepter. Le prophète dit comment ce doit pas accepter? Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne une quitteuse qui fait un dimoun se doit accepter. Mais malgré ça, ça doit là pas accepter. Ben, ça va une déduire depuis de ce hadith là, ben, adab de doa. Ben, cause qui fait doit accepter. Parmi sa dimoun, il y a un voyage. Quand un dimoun de voyage se doit accepter. Sa dimoun là, ses cheveux chiffonnés se lèse et il a la poussière parce qu'il y a un dimoun de voyage. Un dimoun qui a des difficultés. Dans maladie, les mortages, les dans difficultés. Ça, sur lesquels cassés, les plus près avec Allah. Alors, ce doit, il a plus de probabilité accepter plus vite. En plus de ça, Dimouna, il fait une quitteuse, il étend sur la main. Ça, quand il fait doa, il est recommandé, nous lève nous la main. Quand il peut faire doa avec Allah, ce moment-là, nous lève nous la main vers le ciel. Il est sama, il étend sur la main vers le ciel. Le quitteuse qui est là dans lui, qui fait doa accepter, c'est l'ipé Dimouna avec Allah uniquement et l'ipé servi, ban attribut d'Allah. Attawassul bi asma illa li bi fait tawassul pour Allah subhanahu no. Wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah pour tenir les jolis noms. Alors invoque Allah pour subhanahu joli nom. Parmi Allah subhanahu joli nom, c'est Rab. Ça veut dire Rab plutôt. Allah li Rab. Allah ta'ala li celui qui prend compte. Li bi servi sa sufat d'Allah Rab, celui qui prend compte. Donc tout ça, man quelque chose li peut faire. Man condition peut réunir dans lui pour ce doa accepter. Mais c'est moi qui n'arrivais. Ça dit mon là, se laisse les harams, se nourriture, se la boisson les harams. Donc, ce ne doit pas accepter. Alors, ça, c'est. Et dit mon là, il peut, un autre qui se dit, il peut insister, ya Rob, il peut insister dans le doigt, nous plaigner avec Allah, nous insister, nous répéter nos doigts. C'est même qu'il peut faire, ya Rob. Alors, ça, c'est pour montrer qu'il, quand un dit mon, il peut manger quelque chose qui est haram, ça lui empêche ce doigt accepter. L'IMP se doit accepter. Donc, nous dire, un musulman, il faut faire attention. Hein? Ban quitteuse qui haram, fallait pas qu'il y consomme. L'argent d'intérêt, il faut débarrasser. Un ban savant dit l'argent d'intérêt, un dimon pas qu'il va bénéficier. La bonne question que dimon posait. Un dimon a l'argent d'intérêt, il finit de dire depuis le commencement, hein, qui, tant qu'à part, n'a pas. Mettre en compte qui gagne l'argent d'intérêt. Mais si pas une capable, même une gagne l'argent d'intérêt, bien débarrasse-le. Il n'a pas de savoir dire, pas tirer dans la banque même, mais il a dit tirer-le, donne une banque du monde pour débarrasser. Pas avec l'intention pour gagner récompense. Parce que ça, c'est l'argent impur pour nous, ça. Et je dis qu'il n'a pas gagné le droit de bénéficier. Donne-le du monde, mais nous n'avons pas gagné le droit de bénéficier avec sa l'argent d'intérêt qui nous fait gagner là. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que nous gagnons payer la manne, ben la manne qui est le taux, une fait excès de vitesse. Est-ce qu'il gagne droit payer, est-ce qu'il gagne droit payer ben la manne avec sa l'argent d'intérêt là? Je dis qu'il nous pas gagne droit bénéficier avec sa l'argent là. Pareillement, il y a un loan. Il y a un loan, il prend, après il y a un compte qui lui peut gagner l'intérêt. Est-ce qu'il gagne droit pour l'argent d'intérêt payer ce loan? Non, pas gagne droit. Un dimon n'y pas gagne droit bénéficier lui-même avec l'argent d'intérêt. Donc, ça, c'est le hukum qui m'a donné l'eau, l'argent d'intérêt. Donc, voilà, frère et sœur en islam, rapidement, concernant ce hadith-là, montrez-nous qu'il nous faisait manger quelque chose qui est halal. Nous faisons manger quelque chose qui est halal, faire attention à un bon travail comme l'assurance. L'assurance, c'est pareil, ce système, l'assurance-là, il contredit les principes de l'islam. Je vous pose la question, mais le truc qu'il faut faire, nous payer un choix, nous obliger à payer l'assurance. Et quand nous prenons l'assurance pour le tout, tant que nous sommes capables de prendre ce qui est plus beau, moi aussi. Parce que sa nature des transactions de l'assurance est haram. Ben, facteur, ben, ça va clair, ou quoi, lire, le internet, tout pour trouver. Mais même du monde, il prend l'assurance, la santé. Brièvement, une bonne raison. Il y a plusieurs bonnes raisons qui, ben, ça va se donner l'assurance plus haram. Les comédiens, je dis hasard. Un exemple, ben, du monde, il paye 5000 euros, puis l'assurance le tout. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il ne fait aucun accident. 50 000 roupies de rente de poste, ça accompagne l'assurance. Là, les lignes perdent 50 000. Les banques gagnent en retour. L'autre situation. Première année, ils mettent 5 000 roupies d'assurance. Première année, ils font accident. L'assurance couvre les 50 000 roupies. Ils sortent 45 000 roupies gagnants. Veut dire, les comédiens jouent du hasard. Dans l'islam, quand vous pouvez payer avec au cas, vous avez connu qui vous gagne en retour. L'assurance, vous ne connaissez pas. Il y a une transaction qui base l'ignorance.
Donc, tout bon contrat qui est dans l'ignorance, un contrat là pas valide dans l'islam. Qui fait ça, ça bon principe là, quand vous guettez, c'est pour protéger l'intérêt de bandi moun. Ça, le système l'assurance là, c'est un système juif. Quand ça va une compagnie d'assurance, ça permet de gagner un bâtiment, quand vous guettez, et puis appauvrir les du moun. Je te peux sortir en gagnant, sortir gagnant. Li pareil, même chose pour l'assurance, la santé, l'assurance, la vie, même affaire. C'est pas le sujet, mais, ou à lire, parce qu'il n'y a rien à relation avec ce hadith là. Fallait pas nous travailler dans notre système d'assurance et ne pas bénéficier avec sa vente quitteuse, sa vente transaction d'assurance là, tant qu'à pas rester loin avec ça. Concernant les gens qui travaillent dans une compagnie, qui compagnie là, coupe obligatoirement, les coupe une partie des autres la pays, les assurent les autres, ça, il y a une autre hukoum, pas le sujet, il y a une autre fatwa là, là, ben, ça va, je vais expliquer là, là, c'est une mauvaise cause là, là, une mauvaise cause, l'assurance qui a des gens volontairement. Le dossier pareil, ça vous oblige pas qu'à faire non. Nous pécose l'assurance qui volontairement aime du monde pour passer à mes enfants sur la santé, pour passer à moi la santé. Comme madame pour un petit bébé, l'assurance pour couvrir sur l'opération dans, quand il peut faire sur accouchement. Ça n'a pas gain droit, transaction haram, transaction haram, transaction haram. Reste loin avec lui. Alors, ça c'est, on va lire plus l'eau, ben ça va une cause l'eau là. On va lire plus l'eau, internet, on va dire la connaissance. Bon détail, transaction d'assurance, il y a une petite chose qui est haram. Aujourd'hui, ça peut venir une petite chose qui est banale. Des gens peuvent rentrer là-dedans plein et faire attention. Si nous payons une petite chose qui est haram, nous ribada n'a pas accepté. Et tout le monde, ça, des gens se doivent n'a pas accepté. Il y a un hadith qui évite de mentionner la cause de la divergence de son authenticité. Quand il peut mentionner un des gens qui peut faire hajj et quand il peut faire labbaik, Allahumma labbaik, ange peut dire, tu n'es pas bienvenu, toi. La cause sur l'argent avec qui il peut faire hajj de haram. Alors, ce hadith-là va nous avoir divergé de son cité, on le mentionne brièvement. Mais sinon, quand on a le meaning de ce hadith-là, c'est vrai. Un dimon sur ribada, il va être refusé s'il peut faire ça sur son nourriture de haram. Donc, brièvement, frère, sur l'islam, ça c'est un petit peu ce qu'il y en a pour dire concernant ce hadith-là. Inch'Allah, demain, nous continuons avec 11e hadith. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier et mettre en pratique. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.